La nuit des étoiles, épisode 23. Appel du passé. Mes amis, sachez que je suis très content de vous avoir rencontré. Je vous propose de porter un toast à notre amitié nouvelle. Je pense que certains vont avoir du mal. Ah oui, alors, mangeons l'honneur de notre amitié. Attendez, j'ai une sensation bizarre. Il faut toujours que t'attires l'attention sur toi. Non mais... Au secours! Il vole? Bah oui, c'est un corbeau. Mais aidez-moi, au lieu de vous disputer! Ne compte pas sur moi pour... Oh non, je me sens bizarre aussi. Ah, faites quelque chose! Ça, c'était mérité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait déjà que nous comprenions ce qui leur arrive. C'est vraiment étrange. Ils ont l'air d'être attirés vers le même endroit. Ah, je sens plus mes nageoires. Je peux plus bouger mes nageoires. Encore un. Il se passe forcément quelque chose. Mais il ne va pas dans la même direction que les deux autres. Ils sont attirés vers là d'où ils viennent. Mais oui, bien sûr! Mais cela voudrait dire que... La magie qui nous a permis de bouger est épuisée. On va tous retourner à notre place. Quoi? Non! J'avais enfin trouvé cette coupe de malheur! Sirius, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer, on se retrouvera. Dites-moi, j'ai raté quelque chose? Tyrone, le corbeau et l'hydre, ils sont partis si vite. Je n'ai pas réussi à les suivre. Alors, quoi de neuf avec les autres? Je suis en train de toutes les renvoyer à leur place. Quoi? Il y a eu un petit imprévu. Ça a complètement dégénéré. Et j'ai dû intervenir. Donc nous avons pris la décision, à la presque unanimité, d'arrêter l'expérience ici. Mais nous laissons à Astéria le soin de le faire en douceur. Mais je ne veux pas vous perdre! Pas si peu de temps après vous avoir retrouvé! Nous non plus. Mais on ne peut déjà plus bouger nos bras. Je sais! On doit pouvoir faire appel à cette magie! Avec des incantations! De la magie? Il y a des sorcières dans les parages. Je le savais! Faites-les passer par-dessus bord! T'as toujours pas de bateau, Jack. Quand tu parles d'incantations, t'as des idées, Corbeau? Pas vraiment. Mais on peut toujours essayer. J'ai essayé tout à l'heure pour trouver une fontaine et ça a fonctionné. Oui, enfin, on a trouvé une mort. J'essaie de nous sortir de là, hein. Alors, est-ce que t'as une meilleure idée? Eh ben, je crois pas, non. Très bien, tout le monde. Essayez de créer des incantations. Avec des mots que vous connaissez pas, et ça va peut-être faire appel à une magie et arrêter tout ce bordel. Si vous insistez. Kedari Flor, tes gars. J'arrive pas à croire ce que tu fais. Andromède, ne me dis pas que tu vas croire tout ce qu'ils sont en train de dire. Je ne sais pas. J'essaie seulement de nous sauver. Regardez-les. Ils veulent tous rester. Ils ne veulent pas partir. Mais c'est le mieux que nous pouvons faire pour éviter une vraie catastrophe. Et nous avons pu en voir beaucoup. Encore maintenant, il y a beaucoup à prendre en note sur leurs réactions. Taisez-vous! Écoutez-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que nous ne pouvons rien faire. Profitons au moins de nos derniers instants de mouvement et de parole. À demain pour... Pareil, mais différemment. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.